vue à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de péter cette porte. Comme j'avais fait à côté, on va enlever le jambage et la partie sous-bassement de la fenêtre pour créer une grosse ouverture. Et puis également la partie sous la petite fenêtre qui est là-bas. Bah c'est parti, on met les tréteaux, on va étayer et on fait tomber les pierres. Let's go! Bon, je peux te garantir un truc, c'est qu'il fait froid. Bon, le but, c'est d'enlever les pierres. Oh, ça a l'air de tenir, ça. Oh oui. Bon, il va falloir le faire. La première, elle est enlevée, ça y est. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, mon ami. Ça, c'est de la pierre, tu vois. C'est quand même dur, gamin. C'est carrément de marteler les coups. Même faire tout. Et le 3. Et le 4. Viens mon petit, viens filmer l'homme. Tu vois, quand t'as des cailloux, qu'est-ce que tu fais? Prends ton marteau électrique et tu fais la pierre. C'est pas le marteau qui te tient, c'est toi qui le tient. Ok, tu comprends? On n'est pas là pour rigoler. Voir que bah, j'ai laissé les deux gros maus qui tiennent mes pierres. Je vais voir là s'il faut que j'étaye ou pas. En tous les cas, bah, faut que je termine et puis qu'on descende les linteaux et qu'on défasse le jambage qui est là. Franchement, je vais tenter de ne pas étayer. Je vais voir, vu que c'est maçonné derrière, vu que j'ai déjà mis mon linteau à l'intérieur, donc c'est possible que ça bouge pas. Donc je vais faire un essai en enlevant ces pierres là. Je vais faire très attention, voir comment ça se passe et vite remettre l'autre linteau en place. Et j'espère que ça va le faire comme ça. Ça serait vraiment, vraiment bien. Bon, tu te rappelles là du petit linteau que j'avais ramené? Bah le but c'est du coup qu'on coupe toutes ces ferrailles, elles nous servent à rien du tout. Donc bah, on va débiter ça, on va recouper dans la longueur parce qu'il doit faire 15 cm de trop. Je vais commencer à enlever ça. Par contre, ce que je fais, je te conseille vraiment pas de le faire, tu vois. Je devrais étayer quand même mes pierres. Normalement, ça se fait comme ça. Moi, j'ai bossé un petit peu en deux étapes, on va dire. Rappelle-toi, j'avais mis le linteau en bois derrière. J'ai tout remaçonné, tout tient. Tout le mur de l'autre côté, il est maçonné. J'ai tout enlevé. Donc,
Donc ça veut dire que j'ai ma rangée de pierres derrière qui se tient. Ça, c'est une certitude. J'ai ma tablette de fenêtre qui va jusque de l'autre côté. Cette tablette-là, elle tient forcément parce qu'elle a été enduite. Ça, ça tient. Je le laisse. Donc ça tient. Ça, ça tient ma tablette de ce côté-là. Par contre, là, ça risque de se casser la gueule ici. Donc c'est là qu'il va falloir que je fasse attention. Quand je vais enlever, je vais voir si ça tremble ou pas. Écoute, je vais croiser un petit peu les doigts. Je vais tester d'enlever ça sans étayer. Si je vois vraiment que ça bouge, bah, je fais un trou, puis je mets un bassin pour maintenir au moins ces deux grosses pierres-là. Sachant que je remaçonne tout de suite derrière. Tu vois, je laisse pas ça deux semaines en attente. Donc c'est pour ça que je m'engage à faire comme ça. Mais évite de produire ça chez toi, c'est pas bien. Champion qui arrive, hein. Allez à l'action là. Dis bonjour Titi. Coucou. Ah je sais, vous êtes aussi content que moi de le voir arriver. Pas mauvais le cousin. Ça se passe vraiment bien. Maintenant, bah, c'est le jambage à enlever. C'est celui qu'on avait vraiment galéré. Rappelle-toi là pour la porte d'à côté. On a un petit peu plus de place vu qu'on n'a pas les étais. C'est pour ça que je les ai pas mis. Allez, bâti. On va passer précipiter. On va essayer de faire les choses bien. On va éviter de le prendre sur la gueule de jambage parce que ça va être bien lourd. Comment te dire, c'est un jeu d'enfant, petit. Ah, on a pris l'habitude, donc nickel. Tu vois, 5 minutes, c'est fait. Il y a un petit bébé là. Hein. Thank you.
parfait. Je suis content. J'ai démonté, mais j'ai quand même cassé quelque chose, donc c'est bien. Merci qui ? Merci Baptiste encore une fois. T'es un brave, hein, t'es un brave. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je suis obligé de casser un truc avant de partir. Et du coup, bah, je lui ai laissé casser un petit truc. Non, franchement, bah, comme d'hab, hein. Propre et efficace. Voilà. Bon, bah, écoute, maintenant, bah, c'est la suite. Let's go. Pas montré, mais j'ai foutu du coup toute une ferraille là-dedans. Bah, c'est la ferraille que j'ai meulée. J'ai foutu des vis dans mon bois, je l'ai rentré. Ça prend d'un côté jusqu'à l'autre. Donc, ça c'est béton, hein. C'est un linteau, c'est 100% ciment. Et bah, puis là, je vais commencer du coup à maçonner avec de la chaux. Je te prends avec moi sur le casque. Alors, le truc, rappelle-toi, c'est que ma pierre là, elle arrivait ici, elle était coincée là. Il faut que je rajoute, je sais pas combien j'ai. Mais je sais que la dernière fois, j'avais pris un bout de chevron et tu vois, je l'ai gardé, là, il est là. Donc, je vais voir, je vais le mettre en place. Tu vois, c'est cool, j'avais pris la photo, du coup je me repère et je remets exactement les pierres au même endroit. Au montage.
en retard, mon gars. Bon, voilà, c'est terminé. Les ouvertures sont faites. Je suis content. On a mis, je crois, trois jours et demi à faire ça. La façade, là, ça va être nickel. Tu vois, tout est fini. Hein. Du coup, tout est symétrique. T'as l'autre grande ouverture, plus les deux petites. Donc là, comme d'hab, j'ai rebouché provisoirement mes ouvertures. Et puis, ce qu'on a fait aussi, on a recoulé un peu les jambages, là. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est redéligner les pierres, là, ici. Un petit peu dans la ponte, celle-là. Et puis, je vais refaire faire des parements de pierre, là, que je vais coller par-dessus. Parce que, faut que je fasse un petit peu le même style que ça. Bon, là, va falloir que je fasse des grandes réparations au niveau des pierres. Et puis, surtout, ça va être les linteaux au-dessus. Donc, les linteaux, il faut que je fasse débiter des pierres. Je vais faire certainement des espèces d'angles, là, je sais pas comment ils appellent ça. Mais en tous les cas, je sais qu'il faut faire en angle pour que ça se tienne. Et puis, ça sera collé certainement à la colle à carrelage. Je sais pas, ça, je vais demander au tailleur de pierre. Et là-bas, pareil. Là, les jambages ont également été faits ici. Et puis à côté ici aussi. Donc, je termine cette vidéo avec le soleil. Ça fait plaisir. Écoute mon ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir ça de voir que vous likez les vidéos. Et puis surtout, abonne-toi si c'est pas fait. Et puis active la cloche si tu veux rien rater de la suite. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.